Salut tout le monde, c'est Largban, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Portal. Donc ouais, bon, j'ai réussi à trouver la technique pour voir le skin de, enfin voir le skin du joueur avec un portail quoi. Du coup voilà, je me suis mis à la frontière du portail, comme ça je me vois là-dedans et je me vois ici parce que là je me serais vu de dos. Donc voilà, donc là je me suis mis de face et du coup on se retrouve sur Portal pour l'épisode 2. Merde, putain, ça zoome ça. Ah ouais, ok, pour l'épisode 2 du coup de Portal. Donc là il me semble que ouais, pour sortir, attendez, non mais non, là ça nous sert à quoi ça? What? Non non, ok, non, c'est pas un truc qui nous monte. Attendez, on doit aller là-bas je crois, un truc du genre. Là si je monte, ah attends, oh merde, non, ça m'est... Y'a pas un moyen, genre, attendez, un truc comme ça. Putain, merde. Ouais. Ouais, voilà, on descend. On se met là. Et là. Là-bas. Non, putain, ça nous éjecte. Ça nous éjecte. C'est... Putain, cette merde nous éjecte. Ok, y a rien qu'on peut... On doit voir s'il y a pas des trucs à prendre. Est-ce qu'il y a... Y a un objet à prendre? Rien du tout. Là-bas, c'est une... Ah, ok. Non? Mais non, ouais, comment on y va en fait? Ça, c'est... Il y a un cube là-bas. Il y a un... Là? Là, par terre. Mais en vrai, il y a quand même... Bon, déjà la question, comment on arrive à recréer à reprendre les objets, je m'en rappelle plus. Dès que je fais la molette, en fait, ça zoome, c'est pour ça. Donc, je sais pas. Je crois que... Bah non, en fait, faut voir les options. On avait clavier souris, modifier touche. Alors, s'accroupir, générer un portail, utiliser un objet, activer zoom. Ok, ah, mouse, ok, ouais. Et du coup, c'est où pour prendre les objets? Esquive droite, reculer, s'accroupir. Vue partenaire à distance, menu communication, menu geste. Touche pour commande vocale, message général, voir le classement, capture d'écran, pause, quitter le jeu, pivoter à droite et tout, regarder. Putain, mais c'est marqué où? C'est marqué mode console développeur. Non, en vrai, j'ai aucune idée d'où c'est. J'ai ouais, vraiment aucune idée. Esquive, espace, sauter, shift, utiliser un objet. C'est pas eux? Non, c'est, je sais pas, eux. Non, ça fait rien en fait. Et pas d'objet en plus. Là, il faudrait qu'on arrive à attraper ce truc là-bas. Mais comment l'attraper? Ça, c'est une autre question. Ça, faut pas me la demander. Parce que là, j'ai aucune idée de comment l'attraper. Là, attendez. Si on réfléchit. Les lianes, déjà, est-ce qu'on peut les monter? On peut... utiliser, non, fonctionne pas. Ça... Ok. Ok, ouais, là on peut sneak sur... Non, paix. On peut pas sneak sur le bord! Je vais mourir dans l'eau. Oh putain, c'est ça! Merde! On meurt si on va dans l'eau. C'est de l'eau infestée, merde! Putain, on s'est fait avoir! Ah! Ok. Bon, en tout cas, si je reste encore bloqué à cet endroit de merde ou à un autre endroit, n'hésitez pas à donner les solutions dans les commentaires parce que ça pourrait vachement m'aider parce que là, je suis... Bon, là, je suis paumé, là, donc... J'hésite à demander sur Twitter, mais bon, il y aura pas beaucoup de monde qui va répondre pour le moment. Vu l'heure déjà, vu le... Oh! Il y a un bouton. Attends. Il y a un bouton. C'est quoi? Placé. OMG! Ça enlève le cube! C'est ça qu'il me faut! Et là, il me faut l'attraper de loin. Merde, comment on fait? Comment on fait pour l'attraper encore une fois? Ça, c'est le plus grand mystère du monde. J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Je vais essayer toutes les touches en vrai. Parce que là, du coup, si j'essaye toutes les touches, peut-être qu'à un moment, j'arriverai à l'attraper. Non. On a besoin de... Ah! Attendez. Oh, ça génère un nouveau cube en fait. Ouais, mais non, non, ça sert à rien les portails. Il faut vraiment l'attraper d'ici. Là, déjà, il faut... Putain, sauter, non? On peut pas sauter. Ah! Intelli... Oh! On pouvait...
Putain, mais yes! Tu le mets, oui, dans un port. Putain, je le fais par hasard, mais il fallait le mettre dans un portail. Et là, pour l'attraper, c'est quoi? Ah, bah c'est eux! Oh putain, ok, ouais, c'est eux utilisés. Il était juste trop loin là-bas. Ok, ouais, il était trop loin. Oh, parfait! Là, alors, ça nous fait quoi? Oh, un escalier! Oh, merci. Merci Dieu. Et là, ah! Aïe! Ah, merde! Merde! C'est une sou... Y'a de quoi le mettre dans un portail ou pas? Je peux pas l'utiliser de si loin. Ah! Portail! Portail, portail! Portail ici. Non! Mais non! Attends! Ah! Attends! Oh! Est-ce qu'on peut voir? Je vais être bloqué si je le mets là. J'ai aussi à le mettre là-bas. Non. Vas-y, putain, emmène-le là-bas. Non. C'est galère. Je suis sûr, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Là, ouais, là, il faut mettre là-dessus. Ok. Ah, et là, on en a un deuxième. Non. Merde. Non, ça le détruit. Non. Putain, ok, il en faut. Putain, ça les détruit. Vas-y, ramène-toi, voilà. C'est bon, ramène-toi. C'est là. Là, on te prend. Ouais, il faut être proche quand même. En vrai? Non. Je peux pas rester appuyé sur cette plaque. Y a une borne là-bas. Attendez. Merde, qu'est-ce que je fous? Ok, voilà. E. Attendez, ouais, merde, c'est E pour des... pour le lâcher. Voilà. J'étais avec le clic gauche depuis tout à l'heure. Un... Vraiment, j'ai perdu tous les contrôles depuis, je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas joué au jeu. Là, on a des boutons. À quoi ça sert de soulever ça? Aucune idée. À quoi ça... Attends. Ça fait quoi ça? Mais ça fait... Oh! Et là... What? Attends, du coup, là, il faut faire ça? Merde. Mais non, il n'y a pas moyen! Oui, il faut le mettre là, ok. Mais hop, attends. Là! Putain, oui! Et Oh, yes, il y en a un deuxième, ok, voilà. C'est comme ça. Descends, 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 et pouf! Tu tombes dans le... Oh, ok, je vois! D'accord, j'ai compris. C'est pour ça qu'il y a les deux. Ok. Donc là, descend, descend. Et pof! Merde! C'est trop tard! Je suis trop lent! Trop tard, trop tard. Ok, on reprend. On reprend comme ça, dès que tu passes. Hop. Voilà! C'est ça, mon gars! C'est ça! Allez, hop! On va le prendre. Parfait. Donc il est là. Parfait. Allez, hop. Tu viens avec moi. Je te prends en otage. Vas-y, on le monte. Ouais, on le monte ici. Ici, parfait. Bravo. Le centre Ah. d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En Ah. effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des Pourquoi il nous environnements parle de ça, compromettants. mec? Il nous dit on n'est pas seul, il nous parle de je sais pas quoi en volt. Qu'est-ce qu'il fout? La voix nous parle de n'importe quoi là. Ok. Aperture Laboratories. Non, c'est Caperture. Non, Aperture. Ouais, c'est pas Caperture, ok. Je crois que c'était un C ici. Ah, on descend dans une nouvelle salle. Merde, c'est où? C'est là, ok. Parfait. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Ok, donc là, on aura plus de gravité et tout. C'est ça? Non, ouais, pour le moment, là, la gravité. Ah, quoique. Ah, j'hésite à dire qu'il n'y a pas la gravité. Mais c'est... Ouais, bah c'est une gravité bizarre alors, parce qu'il y a la gravité. Mais dès qu'on se déplace, en sautant, on se déplace bizarrement en fait. On dirait qu'on est sur la Lune en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'on est sur la Lune. Mais pas non plus énormément, parce que du coup on vole pas, on saute pas très très haut. Mais j'ai l'impression que vu comment on dérive, on est quand même sur la Lune. Alors là...
Ouais, en plus là, bon, c'est parfait, c'est un bon point de vue. Donc là, on va arriver, on sera là. Il y a un cube là-bas. Ok. Là, ok. Et là, tu vas me dire qu'il faut un nouveau cube, un nouveau. Ah. Non, ouais, non, on peut en poser un seul de toute façon de portail. Donc là, qu'est-ce qu'il me conseille? Hein? Passer dans. Il veut qu'on passe dans un portail par. Ah! Oui, ok, je. Non, oui, peut-être. Si, ok, peut-être. Ok. Je l'ai peut-être. C'est là-bas. Faut viser là. Non, fonctionne pas. Ça fonctionne pas, cette merde. C'est. Ouais, c'est bizarre, ok. Yep. Ok. Il y a un truc là à côté, on est d'accord? Et quoi qu'il. Ouais, bah. Attends. Est-ce qu'il y a de l'autre côté aussi? Là, il y a un. Je sais pas ce que c'est. Rien du tout, ok, on va redescendre. Oh putain, ça nous fait tourner la tête. Il n'y a pas moyen là. Pour le moment, il n'y a pas moyen, il faut le débloquer, je sais pas par quel moyen. Ce côté, on y est de l'avenue. En fait, on vient de là, je crois. Il me semble qu'on vient de là. Donc je vois pas comment la solution pourrait être ici. Il n'y a rien là en fait. On a déjà vérifié, il n'y a rien du tout. Là, ouais, bah non, il n'y a pas d'autre côté à gauche. Comme là, je le pensais, il y aurait peut-être un côté, mais non. Ok. Il n'y a pas des boutons appuyés, non. Il faut. Ah! La puissance de vol va nous faire arriver là-bas, apparemment. À ce que j'ai pu comprendre, on se met. Où est-ce qu'on peut se mettre le portail? Où est-ce qu'on. Putain, où est-ce qu'on peut se le mettre? Bah alors là, vraiment. Il y a. Ah! Là, attendez. La puissance de vol. Il y a un portail en bas! On est d'accord! Où est-ce qu'on peut le poser ce portail en bas? Non, ouais, là on peut. Les murs aussi. Parfait. Mais il y a un portail en bas, carrément en fait. Là, oui, d'accord. Ok. Mais à part. C'est ici qu'on arrive, on est d'accord. C'est ici qu'on tombe. Non, il y a vraiment, il y a. Non, c'est pas ici. Alors là. Ouais, les murs, on peut, ok. Mais là. Mais non, ouais, non, en fait, c'est le sol, de toute façon, qu'il nous faut. Et ouais, bon, là, il n'y a pas la place, mais en vrai, ça sert à rien. C'est juste parce qu'il y avait un symbole que j'ai essayé de viser là. C'est tout. Symbole bizarre, mais bon. Là, oui! Attends. Ça! C'est ça le sol! Vas-y, on tombe. Oh! Oui! Mais c'est génial, c'était ça, ok. Là, du coup, on prend le. Voilà, parfait! Bah là, du coup, il faut le ramener, donc là. Merde, là, c'est ce qui ouvre la porte, on est d'accord, ouais. C'est ce qui ouvre la. Oh putain, yes! Donc là, en gros, il faut l'amener là dans le portail avec nous qu'on va créer et hop. Ah, il a pas assez de puissance. Je sais. On le prend avec nous? On le prend avec nous? Oui, on le prend avec nous. Ok, ça fonctionne. J'étais pas sûr. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir et l'avenir commence avec vous. Ouais, l'avenir, il est un peu bof avec votre laboratoire en ruine. Il est pas ouf votre avenir, mec. Franchement, j'irai pas signer dans votre société. Franchement, vraiment, j'ai pas envie. Alors là, bon là, évident que ça, on va devoir l'utiliser. Par contre, comment? Alors déjà, ok, il y a pas moyen. On a un truc là-haut. Il est où le deuxième portail déjà? Parce que là, je ne sais pas où est le deuxième portail en fait. C'est ça le truc aussi. En dessous! Ok. Alors là, bah ouais, bon, on va tenter d'être projeté en fait. Paf, on est projeté ici. Alors ici, ça.
Alors, on a une indication. Ouais, ok, le poser sur une base normale, non? Un portail? Je vois, parce qu'en fait, là, c'est une indication, on a le cube, le poser sur une base. Mais est-ce que la base, c'est un portail ou est-ce que c'est une base normale? Parce qu'une base normale, bon bah, on le sait déjà, on a déjà fait... Ah, il y a un truc derrière. Ok, ça doit être là. Oui, c'est ça, en fait, il nous indiquait qu'il y avait un truc derrière. Et là, du coup, ça nous ouvre quoi? Il y a quoi là-bas? Le souci c'est qu'on voit pas très bien et que là on peut pas se décaler pour le moment, on n'a pas le cube. Ça nous ouvre Ah, attendez. Je crois que j'ai compris. Là. Voilà, ça s'ouvre et puis là OK, on va pouvoir être projeté après par là jusque là-haut. Donc là il faudra OK. Il faudra viser un élément tout là-haut, comme ça on va être projeté de tout en bas jusque tout là-bas. Voilà, parfait. Maintenant du coup là, bon là c'est le plan pour essayer de trouver le cube, attraper le cube. Parce que là pour le moment j'en ai pas. Là on a, si on zoome, on a quoi comme indication, le cube bah écoutez, ce que je pense, oui. Voilà, c'est à ça que ça sert. Mais ouais, par contre là du coup il nous faut le portail inverse. Là, il me faut le portail inverse, sinon comment je vais faire pour aller là-bas? J'ai vraiment qu'une idée, sinon. Putain, mais elle est où la sortie? Mec! Attends. Ah! Le port... Oui, bah oui, ok, ouais, elle est par terre, c'est vrai. Et là, du coup, hop. Nickel! Et là, en vrai, on peut passer... Merde. Si, ok, ouais. On peut passer avec dans le portail. Mais du coup, là, avant, il faut choisir une autre destination qui sera tout là-haut. Voilà, tout là-haut et là, ok, ouais, bon, nickel. Donc, hop, on passe dans le portail avec... Aïe. Eh, oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, je me disais bien. Enfin, non, en vrai, j'avais pas pensé, mais... Mais, ouais, il fallait activer quand même le truc, sinon ça fonctionnait pas. Voilà, faut quand même activer. Et là, bon, j'y vais sans le cube, voilà. Hop, et là, on arrive... Merde. Merde, je suis à côté. Ok, juste à côté. Voilà. Là, là, ça devrait être bon. Bon, peut-être je vais devoir viser un... Non, c'est pas ici. Là, c'est le cube. Ok. Voilà. Un seul saut et puis c'est mardi. Comme ça, j'ai pris le maximum d'élan. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne... J'ai pas trop compris vu que le début, j'ai parlé. Mais... Je crois il nous prenait pour non, en vrai j'ai aucune idée. Non, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il disait. Ouais, bon bah je le verrai peut-être au montage du coup, mais aucune idée de ce qu'il disait. Alors là on arrive dans une salle et dans cette salle on a des indications à l'envers. C'est écrit à l'envers, je suis sûr. C'est marqué M-L-A-C-N-I-A-M, Niamh-Help. Ça veut rien dire. Putain, j'ai lu ça pour rien. Ouais. C'est en miroir. C'est en miroir. Non, c'est... Miroir inversé. Parce que là, les lettres sont à l'envers déjà. Même en miroir, ça fonctionne pas, le M... n'est pas dans le bon sens, donc il faut l'inverser et on met en mode miroir après. Je suppose que ça va donner, ça doit être du coup là, si on commence, c'est le même texte apparemment. Là on a ML A, ça change rien par rapport à tout à l'heure. J'ai dit la même chose, ML AC. C'est la même chose. Putain. Formidable! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail! Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Lobotomisés. C'est pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Ok, vas-y, j'arrive. Coucou. Je suis là, mon pote. Je suis rapide. Bon, écoutez. J'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrai. Ouais. Là, on n'a plus trop le choix. Le rail est fini. Alors,
Tenez-vous prête à me rattraper, au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. C'est-à-dire que... À trois. On y va ? Deux. Un. Il va pas mourir. Deux. Trois. Non, mais qu'est-ce que tu fous ? Non. Enfin... Ramène-toi là ! Quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. Ah, hein. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez, on est prêts ? Aïe. Chopez-moi ! Ah ! Je... Ah bon ? Je suis pas mort. Pas mort ! Quel truc ? Sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Ah, ça ! Ok. Vous allez être scié. Ouais. Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas. Ah ok, hein. Il fait des affaires privées. Merde, hein, il a été trop rapide. Paf, compartiment secret que j'ai ouvert. LOL. Le mec il s'attribue le travail. Et c'est parti. Regardez, je suis plus tributaire du diktat du rail. Oh, c'est formidable, on peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait? Attendez que je me repère. Putain, il est trop drôle. Faut que je suive le. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout, les croisez pas du regard. Non, merci, ça va. C'est gentil. Ah, ok. Ah, c'est bon en fait. Je crois que c'était un laser qui pouvait nous tuer en fait. Mais apparemment, non. On a un compartiment là. Ok, bon, le compartiment, peut-être on devrait y aller après vu qu'il y en a deux des cubes. Ça fait quoi si je te lâche dans le vide? Je peux pas te lâcher? Non. Je voulais tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Bon, en tout cas la vidéo est bientôt finie. Ah bah voilà, on va pouvoir la finir là-dessus. Vu que ça a été un épisode assez long quand même. Donc voilà, donc si vous avez des suggestions ou des trucs comme ça que vous voulez me proposer, ou si même vous connaissez Ouais, en fait, un truc quoi. Il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici, pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. Si vous avez des critiques ou des réserves sur ce plan, ce serait le moment idéal pour les formuler. Là, maintenant. Il est génial! Au cas où vous croiriez avoir loupé le coche pour formuler vos réserves, c'est encore c'est génial, putain, c'est la meilleure outro du monde. Bon, bah voilà, donc pour pas vous spoil, voilà, du coup, ce qui va nous attendre, on va devoir essayer d'entrer dans une salle, on devra pas se faire tuer, donc la première fois qu'on va trouver un ennemi, je crois, vraiment la première fois, en fait, on va trouver un ennemi, et on va devoir ne pas se faire tuer par cet ennemi. Donc bah merci en tout cas à toi pour cette magnifique intervention de fin. Du coup tu m'as été bien utile. En vrai maintenant on doit se le coltiner, puis du coup va falloir faire gaffe à alterner entre lui et les cubes, ça va être galère en fait. Enfin ouais, ça sera quand même compliqué alterner entre lui le déposer et les cubes, si on peut le déposer déjà. Ça sera, on pourra pas le déposer du tout et non, en vrai c'est impossible qu'on puisse pas le déposer parce que le portail là on peut pas l'utiliser. Franchement, ils vont pas faire les enculés à nous laisser comme ça, on peut rien faire là en fait. Là on peut rien faire du tout à part se déplacer avec cette entité, avec ce il s'appelle comment déjà? Cet œil. Voilà, avec cet œil, je sais plus comment il s'appelle. On va pas se coltiner avec cet œil non plus juste comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ça sera mieux pour les autres épisodes. En tout cas, voilà, donc cet œil va me permettre de faire l'outro. Donc c'est la fin de la vidéo, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre en commentaire tout ce que vous pensez pour les prochaines vidéos, etc., qui serait cool à faire. Et si vous aimez cette série aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc là, on est à l'épisode 2 pour le moment. L'épisode 1... C'était le titre, c'était jeu de la semaine numéro 2 il me semble. C'est aussi disponible dans la description. Et puis je le mets aussi en vidéo de fin là. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss.